Condamné à mort pour rébellion par ses pairs, Horus d'Hyrakonopolis, le dieu du ciel, dispose selon sa dernière volonté de 7 jours pour revoir la terre des hommes qu'il a contribué à créer. 7 jours, le temps d'un battement de cœur divin, pas une seconde de plus, avant de perdre son immortalité. Mais même les dieux ont peur de mourir. Zeref Aker, Sefez Emser, Amit Nefer Amu Aset. Simut Bat. Je sais que tu es là.
réceptionner les tissus, c'est ça ? Prélèvement lacrymal à tout hasard. Très bien. La mission, 17, c'est ça, 19. J'ai également hérité du département des nano-implants, mais on met surtout le paquet sur les peaux synthétiques. Tu n'es pas rancunier. Merci de me le rappeler. J'ai droit à deux ? Non. Un seul cette fois. Tu n'es peut-être pas rancunier, mais tu es toujours aussi radin. Va te faire foutre, Elma. Pas par toi. Zella est dangereuse. Elle prend probablement des trucs très forts. Elle a même laissé un pourvoyeur sur le carreau au moment de la sélection. Je crois que le mot rafle conviendrait mieux. Cette fille m'intéresse, je la veux. Alors tu pratiques toujours la médecine subversive ? Médecine de résistance plutôt, c'est différent. Elle te plaît, c'est ça ? Je l'emmène avec moi. Il me faudra aussi un stock d'antibio, même de l'ancienne génération, et des micro-aiguilles. Doucement, doucement. Je veux les résultats détaillés de tous les tests que tu vas pratiquer sur elle, et ne me refais pas le coup du dossier égaré. Je te laisse la fille, mais je veux le dossier. Sa mère est en traitement chez Eugenics. Il attend qu'on la lui rende. Quel âge avez-vous ? Allons. Vous accusez clairement le sénateur Holgood de manipulation. Vous pensez que c'est lui qui a monté cette histoire de pyramide à des fins électorales ? Non, ses pouvoirs ne vont pas jusque-là. De toute évidence, cette pyramide est d'origine extraterrestre. Comme l'intrusion, située au cœur de Central Park, je ne partage pas l'idée que l'intrusion serait une matrice capable d'engendrer de dangereux mutants. Il s'agit d'une rumeur véhiculée par Holgood pour servir les intérêts de Genix. Il a été démontré scientifiquement que l'intrusion était une porte donnant accès à des univers parallèles ou extraterrestres. Il faut nous faire à l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais on ne peut pas dire que votre programme contienne beaucoup de propositions concrètes. Vous vous employez surtout à critiquer le candidat sortant, le sénateur Holgood. Permettez, je parle tout de même de la dictature médicale que Holgood a instaurée dans la ville de New York, avec la participation active de Genix. Je parle des rafles. Des expériences illégales, des prélèvements sauvages de sang et d'organes, des disparitions qui se chiffrent par milliers. Je parle de Globus One. Vous savez de quoi il s'agit, j'imagine. C'est le congélateur utilisé par une armada de savants fous qui travaillent pour Eugenix. Mais vous convenez quand même qu'il y a un réel problème de sécurité. Tous ces meurtres en série au niveau 2. C'est l'affaire de la police. J'ai toujours la plus grande confiance dans notre police fédérale. Quelle salope ! Mais quelle salope ! Une salope, oui, mais qui fait de grands progrès en politique. Ah oui, c'est bien ce que je dis, une pute. Bon, ça suffit. Et ces meurtres, alors ? On en est à combien jusqu'à présent ? 4. Qui est chargé de l'enquête ? L'inspecteur Freub, un spécialiste du hors-norme. Selon lui, ces meurtres sont l'œuvre d'un tueur en série. Freub est tout sauf un spécialiste. La traque est sa seule passion, depuis qu'il a eu la moitié du visage bouffé par le Dayak. C'est un obsessionnel. Totalement incontrôlable. Miss Liang, je ne suis pas d'accord. Freub est compétent. Et en tout cas, politiquement, il est neutre. Neutre ? Ça n'existe pas, la neutralité. Il y a les hommes et les femmes, les humains et les extraterrestres. Ceux qui sont intégrés, ceux qui sont exclus. Tout dans ce putain d'univers se divise en deux camps. C'est le cinquième, en moins de 48 heures. Tous les records sont battus. Même topo qu'à chaque fois.
Même façon de procéder, comme si le corps avait implosé. On m'a parlé d'un témoin. Oui, il est là. Il vous attend. On se retrouve à mon bureau dans une heure. Tu l'emmènes chez Freub, ok? Ça va? Oui, oui. D'accord, à plus tard. Vous êtes sûr que ça ira? Bonsoir. Qu'est-ce que ce sera? Il t'interroge sur la santé de tes organes. C'est une question. Je suis en excellente santé. Ah, tous tes organes? Je viens de faire un échange standard de poumons. J'aime bien. C'est plus esthétique, je trouve. Et j'ai aussi une vessie neuve. Très pratique, je dois dire. Qu'est-ce que je vous sers? Et de 6. Non, et de 7. En sortant d'un bar, le témoin. Celui que j'ai jamais vu? C'est ça, le géant. C'est lui le 7e. Le 6e étant l'agent qui était chargé de vous l'amener. Ça rappelle les Dayak, tout ça, non? Des meurtres sanglants et gratuits. C'est tout à fait eux. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de Dayak. Ils ont tous été exterminés à la suite des émeutes. Il y a 30 ans de ça. Oui, tous sauf un, le vôtre. Merci beaucoup, Sandy. Il n'y a aucune chance que ça tienne. Je ne peux plus rien faire. Je vous avais prévenu. Vous n'avez plus qu'environ 30% de votre métabolisme d'origine. Tout le reste, vous l'avez modifié ou remplacé. J'ai un contrat avec Eugenix. Ça, j'avais compris. Allez voir ce collègue de ma part. Les ratages de la nanochirurgie, c'est sa spécialité. Ne tardez pas trop. Merci, docteur. Excusez-moi, Jill. Les New-Yorkais sont tous devenus fous. Où en étais-je? Ah oui, vos pertes de mémoire. Je me demandais de quoi vous ne vouliez pas vous souvenir au point de vous bloquer comme ça. Ou pour le dire autrement, que voulez-vous oublier? Je ne mémorise rien. Il y a une certaine différence. Mais vous n'oubliez pas de prendre à très haute dose certaines substances toxiques potentiellement dangereuses qui restent à identifier.
Vous en avez sur vous? Vous vous approvisionnez en bas, au niveau 3, à Little Paris, chez les non-humains. Qu'est-ce que vous avez contre les non-humains? Il y a beaucoup de non-humains qui sont très bien. Vous, par exemple? Je dois dire qu'en 20 ans de pratique médicale, je n'ai jamais vu un cobaye comme vous. Je n'ai jamais vu un cœur, un utérus, ni des poumons comme ça. Jamais. Vous avez l'organisme de quelqu'un qui serait né il y a moins de 3 mois. C'est peut-être de ça que vous ne voulez pas vous souvenir, ou dont vous n'êtes pas tout à fait sûr. Vous êtes arrivé quand à New York? Et comment? Certains vertébrés changent de peau sur cette planète. Vous êtes en train de terminer votre mue, Jill. Écoutez, je vous propose de travailler pour moi. Laissez-moi effectuer un examen médical complet. Quelques prélèvements, tests de médicaments. Si vous me faites confiance, vous n'aurez plus aucune inquiétude à avoir. Vous bénéficierez d'une couverture et, ce qui est plus important aujourd'hui, d'une carte. J'ai un contrat avec un hôtel. Vous y serez logé. Vous êtes l'être le plus mystérieux que j'ai jamais rencontré. Dans une rage, je tirais sur un pourvoyeur. Ça a failli tourner mal. C'est une femme médecin qui m'a sauvée. Elle me propose de travailler et d'être logée. Accepte. Comme cobaye. Paraîtrait que mon corps n'aurait que 3 mois en réalité et que mes organes ne seraient pas à leur place. Pas à leur place. Selon quels critères? Tu vois ce monument pyramidal? Tu crois qu'il est à sa place, lui? Et moi? Tu crois que je suis à la mienne? Il y a une chose importante qu'il faut que tu saches. Cette planète est en train de me rejeter. Cette atmosphère, cet oxygène, tout ça me brûle. Il faut que je m'occupe de toi avant qu'il ne soit trop tard. Je vieillis, Jill. J'ai des siècles et des siècles. J'ai du mal à comprendre. Thank you.
faire ici. On n'a pas besoin de... Pyramide volante, un tueur en série qui sème la terreur et maintenant les prisonniers qui tombent du ciel. Quelqu'un a décidé que ma carrière politique avait assez duré, c'est ça ? Disons que c'est comme dans une tragédie grecque, sénateur. Tous les éléments sont en train de se mettre en place. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur l'inspecteur Freub ? Il se trouve que 3 de mes hommes ont disparu. Je suis à leur recherche. Toujours votre tueur en série ? Je ne crois pas, non. Tenez, un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Vous devez savoir mieux que moi. Donnez-moi ça. Ça ne relève pas de vos compétences. Je n'ai pas encore trouvé l'homme qui va avec. C'est ça.
vous connaît vos Azorus Tyrannopolis, le dieu du ciel. Je suis flatté, Nicopol, misérable humain. Anubis ne doit pas être loin, le gardien des tombes, le dieu des morts. Ne prononce plus jamais le nom de ce chacal, tu entends? Seulement mon nom, seulement moi. Ok, ok. Oh. Ma jambe, où est ma jambe? J'ai mal. Tu vois, tu n'es pas mort. Les morts ne souffrent pas. Les morts ne saignent pas. C'est ça, je ne suis pas encore mort. Mais je me vidre comme un lapin. Écoute bien ce que je vais te dire, je ne le répéterai pas. Pour des raisons qui dépassent les enjeux humains, je cherche depuis deux de vos jours un corps qui soit capable de m'accepter. Un corps qui m'accueille et me serve. Toi, tu sembles convenir. J'ai testé 7 humains avant toi, et chaque fois il y a eu rejet. Mais toi, ton corps me paraît sain. Tu viens du passé. 30 ans d'hibernation. Ton corps ne me rejettera pas. Nous sommes compatibles. On est en quelle année? Qu'est-ce qui m'a libéré? Année 2095 après votre Jésus-Christ. Ta libération est une évasion accidentelle. Je devais sortir d'hibernation en 2096. Oh. J'ai été libéré un an plus tôt que prévu. J'ai gagné un an, mais j'ai perdu une jambe. C'est con. Oublie ton ancienne jambe. En voici une toute neuve. Oui. Entendu, merci. C'était le médecin légiste de Globus. Ah oui? Ils ont identifié la jambe. Ah, et alors? Elle appartiendrait, selon eux, à Nicopol. Et voilà. C'est impossible! Ce truc pèse une tonne! J'arriverai jamais à le bouger. En effet, sans moi, tu n'y arriveras jamais. D'ailleurs, désormais, sans moi, tu ne pourras plus faire grand-chose. D'accord, je suis pas encore mort, d'accord. Mais je préfère croire que c'est un cauchemar. Oh Dieu, faites que ce soit un cauchemar. Dites-moi que c'est un cauchemar. Tu crois en Dieu, toi? Je n'ai même pas cette ressource. Non, je ne crois pas en Dieu. Je te propose de croire en moi, Nicopol. Je crois que j'ai pas le choix. Pas vraiment. Maintenant, lève-toi et marche. J'ai relâché mon contrôle, Nicopol. Tu peux bénéficier d'une relative autonomie maintenant. Je tenais à te dire que tout se passe pour le mieux. Ton corps est extrêmement confortable et me tolère parfaitement. Et de surcroît, tu es très élégant. Vous vous foutez de ma gueule. Élégant, célèbre et subversif. Tout ce que j'aime. Apparemment, tu as été à l'origine d'un combat qui continue sans toi. Admirable pour un humain. Au risque de paraître trop exigeant, j'en voudrais un peu plus d'autonomie. J'aimerais choisir ma garde-robe.
avec ce qui me reste de personnalité. Ton bien-être est une priorité pour moi, Nicopol. Esprit libre et combattant. Comment va le docteur Alma Turner ? Elle est en pleine forme. Alors bienvenue au Western Hysteria Hotel. Vous êtes au 30e étage, chambre 12. Les amis du docteur Turner sont aussi les miens. C'est pour moi. Merci. Comment tu t'appelles? Willy. Ok. Je t'appellerai Willy. Et toi, appelle-moi Jill. Température 44 degrés. Formule dentaire 37 unités. 37. Glande salivaire atypique. Conjugale spatulée inconnue. Profil buccal. Non répertorié. Merci, Jill. Vous pouvez passer au test alimentaire. Une liste qui ne cesse de s'allonger. 8 victimes, toutes de sexe masculin, en moins de 72 heures, un record des plus macabres. En bref, toujours, le sénateur Kyle Allgood a annoncé qu'il serait à bord du Zeppelin de la délégation scientifique avec d'éminents égyptologues qui tenteront une nouvelle fois d'établir un contact avec d'éventuels occupants de la pyramide. Le taux d'hygrométrie relevé aujourd'hui à Brooklyn est en baisse pour le 4e jour consécutif. Sur l'intrusion, en revanche, pas de changement. Neige, glace, une température de moins 23 degrés. Toujours sur l'intrusion, 12 tentatives d'effraction en moins de 24 heures. Aucun survivant. Nous vous rappelons que pour votre sécurité, l'accès à Central Park est interdit. Stop ! Stop ! Ah ! Couchez-vous ! Couchez-vous ! Aber, Anubis. Aber.
comprenez rien. Nicopole est vivant. Ce n'est pas sûr. Il aurait été blessé par un vigile d'un magasin avant de faire une chute de plus de 100 mètres. Mais son corps n'a pas été retrouvé. Vous allez peut-être me dire qui s'est envolé. Interrogez vous-même Huxley, le bras droit de Freud. C'est lui qui est chargé bon, de... Bon, merci, Jonas. Ça ira, vous pouvez disposer. Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Foutez-moi le camp. Il est au courant de tout. Je sais bien qu'il est au courant de tout. Je sais que sa mémoire phénoménale est truffée de suffisamment de preuves sur les tripatouillages financiers de votre père et sur toutes les expériences pratiquées sur les non-humains. Il pourrait mettre Eugenix dans une situation plus qu'embarrassante. Je le sais très bien. Jusqu'à présent, nous avions uniquement The Spirit of Nicopole pour adversaire. Maintenant, c'est à lui en chair et en os que nous avons affaire. Personne n'est jamais revenu de Globus. Personne? Sauf lui. D'ailleurs, on se demande pourquoi on ne l'a pas exécuté à l'époque. Non, mais ça va pas. Vous êtes complètement cinglé. Pour en faire un héros, un martyr de leur saloperie de révolution, là, vous vouliez qu'on déclenche des émeutes, des attentats? Dernier prototype de la version chasseur. Imparable, féroce, il agit dans une totale illégalité. Il mettra moins de temps que Freud et ses hommes. Vous êtes sûr? Non, mais on n'a pas d'autre solution. À part, bien sûr, votre protégé. Non, pas lui. Allez, essayons déjà avec celui-là. Entrez. Quelle célérité. Le temps presse. Il est prêt? Vous l'avez réactivé? Non, j'en ai pour une heure à peine. Je voulais être certain que vous le vouliez vraiment. Évidemment. Très bien. Ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Une péripétie sans importance. Trois fois rien. Est-ce que tu aimes les femmes? Les femmes? Les femmes. La plus belle et la plus importante de mes créations sur cette planète. C'est quoi cette histoire? C'est pas clair ton truc. On cherche une fille à la peau blanche, aux cheveux bleus, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment sais-tu qu'elle vient ici? De la même manière que j'ai su qu'elle se trouvait sur la planète Terre, dans la ville de New York. Le flair, Nicopole. Le flair des dieux. Qu'est-ce qui justifie une telle débauche de talent et de compétences? C'est mes univers, peut-être. Tu ne crois tout de même pas que j'ai fait tout ce chemin pour une simple mortelle? J'en sais plus sur vous maintenant. Pourquoi faites-vous tout ça pour moi? C'est un combat politique et social. C'est mon côté Spirit of Nicopole. Et puis, votre cas m'intéresse. Je crois plutôt que je vous plais. Ce n'est pas ce que vous pensiez à l'instant? On n'a qu'à dire ça. Vous avez deviné? Ou vous lisez dans les pensées des autres? On n'a qu'à dire ça. Je vous aime bien, c'est vrai. Et je me sens proche de vous, Jill, qui que vous soyez. Mutante ou pas. Même si vous commencez à me faire peur. Nous allons tenter une petite expérience pour tester vos facultés. Je vais penser à une question et vous y répondrez. Ok? Ok. J'ai posé ma question. Vous demandez si j'ai fait la série de tests sur la nourriture que je peux absorber, si j'ai fait une prise de sang 3 heures après, si j'ai bien tout noté. Réponse à la question. Yes. J'ai goûté scrupuleusement à tout et j'ai trouvé que tout était absolument délicieux. Je suis très professionnelle comme cobaye. Vous avez tout goûté? Oui, je vous l'ai dit, tout. Vous avez tout mangé en une fois?
En respectant bien les quantités? J'ai tout pesé. Il n'y a que les recettes que j'ai pas suivies exactement à la lettre. Je n'avais aucun ustensile de cuisine, alors j'ai mangé cru le poisson que vous appelez lotte et l'épaule d'agneau. Les deux ensemble, c'est assez bon. Et vous mangez tous les jours comme ça? Un jour sur quatre. Là, elle est belle. Évidemment, imbécile. C'est elle. Je vous offre un verre. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez comme ça? Je ne vois ni gin, ni cognac, ni saké, ni tequila, ni Slivovica. Je travaille, si vous permettez. Une vodka, s'il vous plaît. Tarkovskaya, si vous avez. Je dois dire que j'aime beaucoup vos cheveux. Je vous arrête très bien avec votre peau laiteuse. C'est la dernière mode, peut-être. Maquillage tendance kabuki. Vous devez être une actrice. Vous essayez d'obtenir quelque chose de moi. Sachez que la réponse est non. Vous allez avoir besoin d'une escorte. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Vous n'avez pas le choix. Le dernier pour la route.
J'aime bien celle-là. Et vous, mademoiselle? Je sens qu'on va s'entendre à merveille. C'est extrêmement important d'avoir les mêmes goûts. Non. On ne va pas s'affronter, on a autre chose à faire tous les deux. Adresse. Western Hysteria Hotel. Vous êtes l'inspecteur John Emerson Huxley. Vous avez une boîte noire implantée dans le cerveau. Remettez-la-moi, je vous prie, ou je me verrai dans l'obligation de l'extraire. Je n'ai pas de chambre. Vous êtes de quel niveau exactement? Je suis au-dessus des niveaux. Ici, c'est le niveau 2. Et l'hôtel est complet. L'hôtel, peut-être. Mais pas votre vie. Je vous en prie.
Contrôle, miss. Vos papiers. Papiers, monsieur. Votre carte, si vous préférez. Merci. Vous avez des armes, des explosifs, des tendances agressives, voire violentes? Je déteste la violence. Vous êtes bien ici? Oui, ça va. Oui, je déteste la violence, mais en revanche, j'aime me caresser avec des plumes d'oiseaux. Des plumes noires, de préférence. C'est petit tout de même. Et vous n'avez pas de salle de bain? Non, pas de salle de bain, non. J'ai pris la décision de ne plus jamais me laver. Jamais. C'est la salle de bain de ma chambre. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Une dernière fois, qui êtes-vous? On a bu un verre ensemble hier soir. Vous en avez bu plusieurs, c'est normal que vous ayez oublié. L'alcool ne me fait aucun effet. Qu'est-ce qui se passe ici? Cette porte-là, c'est quoi? Il y a encore 5 minutes, il n'y avait pas de porte dans ce mur. C'est vous qui avez fait ça? Je ne suis pas menuisier. Attention, ça peut partir tout seul, ces trucs-là, je sais pas si vous savez. Tais-toi! Dites-moi ce qui s'est passé cette nuit. Qu'est-ce que vous avez fait à mon corps? Je vous écoute. Ce que j'ai fait à votre corps? On a eu des relations sexuelles, tous les deux. Enfin, je suis pas sûr qu'on était tout à fait seuls. Qu'est-ce que vous entendez par relation sexuelle? Cette nuit, par moments, vous m'avez donné l'impression de très bien le savoir. J'aimerais pouvoir vous dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? Mais qu'est-ce que tu me fais faire? Putain de saloperie de Dieu! Fuck you. Qu'est-ce qu'on attend? La réponse aux questions que je lui ai posées. Il a perdu l'usage de la parole, mais on peut peut-être encore récupérer ses souvenirs des derniers événements dans son subconscient. Et vous croyez qu'on peut le réparer? Je crois qu'on peut le soigner. Un Dayak? C'est un faux. Une réplique de Dayak, humanisée. On a trouvé de la peau sous ses ongles, une peau synthétique, de couleur rouge sang, signée Eugenix. C'est moi seul avec lui. Un viol. Un viol? Tu m'as fait commettre un viol. Elle était consentante. Nous, les dieux, nous avons du goût pour les choses physiques. Nous l'avons amplement démontré depuis des millénaires. T'es vraiment une belle saloperie. Tu pars du principe que tout
tout appartient. Mon corps, celui de cette fille, et tous les autres que tu as massacrés. La prochaine fois, si tu y tiens, on fera ça à ta manière. De quoi tu parles? Quelle prochaine fois? La prochaine fois que nous lui ferons l'amour. Nous sommes dans l'obligation de refaire l'amour à cette jeune personne. Sans moi. Elle ne te plaît pas, hein? Il n'est plus question que je partage mon corps. Est-ce que c'est clair? Ni pour baiser, ni pour quoi que ce soit d'autre. Nos routes se séparent. Toi, tu iras de ton côté et j'irai du mien. Nicopole, Nicopole, tu parles comme si je te laissais le choix. Tu peux marcher tout à fait normalement, si je le veux. Regarde. Mais si je ne le veux pas... Et n'oublie pas ça non plus. First. À quoi il ressemble? À un être masculin. Genre humain, autant que je me souvienne. Rien de particulier. Et pour ce qui est du pénis? Humain, lui aussi? Est-ce que vous aviez déjà eu des relations de cette nature? Des relations? Sociales? Humaines? Quelle nature? Sexuelle. Relations sexuelles. Je pense que cela vous est déjà arrivé, mais que vous avez oublié. Ces drogues, ces pilules, j'ignore qui vous traite, mais c'est efficace. Même vos organes semblent prendre leur place. Merci de votre confiance. J'ai confiance en John. Seulement en John. Vous me testez, j'imagine. C'est ça? C'est lui. Je le reconnais. Et elle, c'est la fille. Voilà tout ce qu'on a gardé d'elle. Ses sécrétions lacrymales. Ça suffira. Mon nouveau Dayak est doté de capacités olfactives 500 fois supérieures aux nôtres. Le meilleur laboratoire moléculaire ambulant que j'ai jamais eu. Un authentique chasseur. Thank you.
de vos larmes. Je suis flatté de vous avoir trouvé. Où se trouve celui qui vous accompagne? Je ne sais pas du tout de qui vous parlez. Il vaudrait mieux que vous le sachiez. Jill vient de vivre des moments très pénibles. J'ai été contraint de les effacer de sa mémoire. Il faut que nous la protégions et que nous l'aimions. Il faut la féconder. C'est donc ça. Je peux compter sur toi, Nicopole? Je n'en doutais pas. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale, et le sang qui brûle mon poumon et l'emplit. Un désir éternel est coupable. Encore déjà là. Vous n'avez vraiment pas d'autre endroit où aller. À vrai dire, on ne me laisse pas le choix. Alors je n'ai que vous. Vous vous sentez bien? Je ne devrais pas. Vous vous êtes battu? Je ne sais pas, j'ai comme un trou dans ma mémoire. Peut-être même que c'est vous qui m'avez frappé. Pourquoi avez-vous passé 30 ans en hibernation? Peur de vieillir? Et qui vous l'a dit? Je lis un peu dans les pensées. Mais les vôtres, je n'y comprends rien. Je sais que vous m'avez violé hier. Mais votre mémoire n'en a pas gardé de traces. Pour moi non plus, ça n'est pas très clair à vrai dire. Il faudrait qu'on recommence pour comprendre. Vous me devez bien ça. C'est pour avoir défendu des gens comme vous que j'ai été condamné à l'hibernation. Personne n'est comme moi. Ça, je veux bien le croire. Eh bien, que lisez-vous dans mes pensées maintenant? Ok, je vous offre un verre. J'ai envie d'une bouteille de Bordeaux. Ça fait des siècles. Qu'est-ce que c'est? L'alcool ne fait aucun effet. Vous êtes plus froid qu'un bloc de glace. Et ça vous va très bien. Qui êtes-vous? Je crois que je vous plais. Qu'est-ce que vous êtes en train de me faire? Un jour sur quatre, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne mémorise rien. Un cobaye, une femme humaine. Appelle-moi Jill. J'essayais d'obtenir quelque chose de moi. La réponse est non. La réponse est non. C'est
Normal que ce soit glacé. Il n'y a plus beaucoup de sang qui circule là-dedans. Ce serait dommage de s'interrompre pour quelques degrés de différence. Pardon, Jill. Sefazem snefer Anubis. Sefazeref. Sandrapa, zone de l'intrusion. Danger de mort. Où est-elle? Mais où est-elle? Je te l'ai déjà dit, elle est partie faire un tour. Il faut la comprendre. Mais tu as raison. Tu as raison de vouloir me faire mal, même si je ne sens rien. Frappe-moi encore, plus fort. T'es une vraie merde! Avec tes objectifs à la con! Tes ambitions de merde, ton arrogance de dieu violeur à la con! T'es une vraie merde, Horus! Venant d'un humain, les considérations de ce genre ont peu de poids. Tu abîmes cette fille. Tu abîmes Jill. Tu la détruis. C'est la beauté que tu massacres. On ne détruit pas ce qu'on aime. Pourquoi tu l'as pas retenue? Elle va revenir. Nous devons encore lui faire l'amour. Ce n'est pas tout à fait fini. Ah oui, c'est vrai. La fécondation. J'allais oublier ce petit détail. C'est quoi cette obsession de fécondation? C'est l'obsession du peu de temps qu'il me reste. T'es vraiment à plaindre. Je suis le docteur Elma Turner. Je suis à la recherche d'une de mes patientes. Il y a bien longtemps que plus personne ne vient ici pour se soigner. Elle s'appelle Jill. Elle m'a dit qu'elle venait souvent ici. Les cheveux bleus, la peau blanche, vous devez la connaître. Je ne connais aucun humain. Pas de cette sorte, en tout cas. Jill n'est pas humaine. Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes John? Et vous, vous êtes Elma Turner? Il faut que je parle à Jill. J'ai quelque chose d'important à lui dire. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je dois lui parler. Je ne crois pas que ce soit utile. Tout se passe à une autre échelle désormais. Que voulez-vous dire par là?
Où est-elle? Dites-moi au moins si elle va bien. Cheveux bleus, peau blanche, très intéressant. Permettez que je me présente. Inspecteur Freub. Vous vous êtes poudré pour l'occasion? Fichez-moi la paix. Mon ami, mon cher ami. Oui, trop, hélas. Beaucoup trop. Je sens toujours cette tension en toi, cette fureur, l'hubris. Exactement comme il y a 5 ans. Quand tu as fait cette escapade sans mon autorisation, et quand tu t'es fait les dents sur l'inspecteur Freub, tu te souviens? Il a se fini, nous voilà. Oui. Tenez, goûtez ça. Trouve-le et dévore le reste. Personnalité ne va pas sans causer quelques difficultés. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui en suis la première victime. Et là, tu es tout seul? Il est parti, le violeur? Celui qui se sert de ton corps s'en emparant de force et m'oblige à avoir des relations sexuelles? Oui, je crois, mais j'en suis pas sûr. Et pour tout dire, j'en sais rien du tout. Je n'aurais jamais dû mettre la main dans cette eau. Le bleu de mes larmes est indélébile sur la peau humaine. Jeté sur la peau, pour toujours. Elles sont rares, ces jeunes femmes. Très rares. Elles ne sont que quelques-unes dans tout l'univers. Nul ne sait pourquoi elles apparaissent dans tel ou tel monde. Elles ne savent pas elles-mêmes qui elles sont, ni le pouvoir dont elles disposent. Quel pouvoir? Le plus grand de tous. Celui de procréer avec les dieux. Ah, je comprends. J'ai servi d'enveloppe. De véhicule à la semence divine, en quelque sorte. Ce n'est pas ça qui me fera changer d'avis sur toi, Horus. Je veux pas y aller. Jonas n'a qu'à me représenter. Ne me décevez pas, Kyle. Ne montrez pas ce vrai visage que je ne connais que trop. Tout ça, c'est de votre faute. C'est vous qui m'avez embarqué là-dedans. Et vous avez mis tout ce temps à comprendre, hein?
Et oui, Kyle, vous êtes un pion, et c'est ma partie. Mais réveillez-vous, sale petite pute. Vous aussi, figurez-vous. Vous n'êtes qu'un pion. Un pion au service d'Eugénix. Et c'est qui, Eugénix ? D'accord, je veux bien l'admettre. Mais un pion en position de force. Vous comprenez, sénateur ? Malgré toute votre graisse, vous n'êtes pas de taille. Alors vous allez soulever vos fesses, prendre votre tout petit courage à deux mains, et tout en faisant des prières pour que votre Dayak retrouve votre Nicopole le plus vite possible, vous allez négocier avec les dieux de l'ancienne Égypte. On se dépêche. Tu pourrais m'oublier s'il le fallait un jour. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça? C'est très sérieux. Si un jour tu n'avais pas le choix, est-ce que tu pourrais m'oublier? Non. Moi, si. Je pourrais t'oublier. Malgré moi. Sans vraiment le vouloir. Ça veut dire quoi, ça? Certaines choses sont sur le point de m'arriver qui échappent à mon contrôle. Je connais ça, je sais de quoi tu parles. Mais je suis prêt à maîtriser l'avenir pour deux, voire plus. Tu es vraiment sûr de toi? Qu'est-ce que tu en sais? Mais quand tu dis deux, à qui fais-tu allusion? À nous deux ou à toi et à l'autre? Celui qui est à l'intérieur de ton corps? Celui qui s'en est emparé pour me violer? Pas du tout, je parlais de nous. Et il ne sera pas jaloux? Là, par exemple, je sens qu'il est là entre nous. Je le sens, je le perçois. Il est ici. Le violeur me demande de te dire que tu n'as plus rien à craindre. Quand je t'embrasse, est-ce que j'embrasse aussi ce monsieur? Et toi, tu as pris du plaisir quand il me violait? Vous faites tout aussi lentement, inspecteur, mais que craignez-vous? Un vieil ami à moi. Le véhicule suspect vient de traverser Madison Square et remonte la 49e dans le secteur 2. Alerte à toutes les patrouilles. Je répète, alerte à toutes les patrouilles. On perd du temps, inspecteur. Jill est en danger. Allez-y doucement. Le réacteur est réglé au quart de tour. Comme vous? Je les prends. Pas.
mortel ici. Je veux dire, qui peut mourir de mort violente? Moi, je crois que je suis plutôt mortel. Je ne vous crois pas. Monsieur. Monsieur Horus. Sénateur. La pyramide. Où est le sénateur? C'est ici. Viens. C'est ici, Jill. Maintenant. Nous sommes au cœur de l'intrusion. Le centre parfait. John! Le moment est venu. Cette pilule rouge va achever ta transformation. Elle va te faire devenir définitivement humaine. Une femme humaine. Une femme humaine. Je vais tout oublier. Tout le monde. Oh, Jill. Jill. Tu vas tout reconstruire. Tout. Avalala. Le vide, Jill. Le vide. Oublie-moi. John! J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu attends? Horus, où es-tu? Essa blika gonipa. Ipsa ven la maju errat. Sutenbat, Akhet Zemut. Sutenbat. Nikopol. Tu as été bien plus qu'un corps pour moi. J'aimerais pouvoir faire davantage pour te remercier. Je sais, oui, le temps te manque. Je te souhaite sincèrement une très belle vie humaine. Tu ne sentiras plus le poids de ta jambe. Tu verras. Il restera toujours une parcelle de moi
en toi. Je ne sais pas comment je dois prendre ça. Je serai toujours là, Jill. Toujours. Tu verras. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'évasion. Vous avez encore un an à passer en hibernation. Excusez-moi, mais c'était lui qui était là ? C'est bien ça ? Qui ? Le tueur en série. Vous devez en savoir très long sur lui. Oui, oui, c'est mon ami. Comment est-ce qu'il tue ? Je serais prêt à donner très cher pour comprendre. Jill ! D'annoncer que dans Central Park, l'intrusion est désormais ouverte au public. Faites un break ! Réservez dès maintenant vos vacances sur Orbit. Oubliez la politique archaïque. Dites oui au projet de Lily Liang pour vous et pour votre fille. Et pour ceux qui savent encore lire, n'oubliez pas le livre de l'homme venu du passé, Spirit of Nicopore Story, le livre culte de la subversion. Au fait, merci pour votre livre. Je l'ai dévoré. Et elle ? Parlez-moi d'elle. Elle ? Elle. Vous aimez Paris ? Vous a mordu ? Il vous a fait mal ? Non, pas du tout. Il est très bien. Il est parfait. Je suis vraiment désolée. Je m'appelle Jill. Enchantée. Nicopole. Vous aimez cette planète ? Elle a un certain charme. Mais tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts. Là que mon âme tremble et se voit à l'envers, mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. Tout cela ne vaut pas le terrible prodige de ta salive qui mord. Jill, qui plonge dans l'oubli mon âme sans remords, et charriant le vertige, la roule, défaillante, aux rives de la mort. Completely wrong. I wish I was made.
real up and fake. I wish I could lie and never could fail.
tout cela ne vaut pas le poison qui découle de tes yeux verts. Là que mon âme tremble et se voit à l'envers, mes songes viennent en foule pour se désaltérer à ces gouffres amers. But all that is not worth the prodigy of your saliva, Jim. Bites my soul. This is intense, worse than thou, remorseless.